果てなき夢求める死ぬべなき世界で重なる想い心突き刺す鼓動静かに続くためらいもない歌遠く空の彼方から混ざり合った僕らの影必然と気まぐれの中記された記憶すれ違った時の渦朽ち果てて Cette lueur, dans ton œil droit. Oui, j'en suis conscient. Mais là, j'ai bien mieux à faire que de penser à ça. Vous les avez tués avant qu'on ait eu le temps de les rattraper. Nous voilà privés de nos proies et de la prime. Je m'appelle Yutsurika Nekoi, j'ai 14 ans et je suis chasseuse d'Oni. Et voici mon coéquipier. Moi, c'est Kusanagi Shuyu. J'ai été très impressionnée par la façon dont vous vous battez. Merci. C'est un sabre bas de gamme que vous avez là. Mais vous vous en servez tellement bien que ça ne se voit pas. N'est-ce pas? Moi-même, j'aurais jamais choisi un tel modèle. C'est lui là qui me l'a acheté. Hey, coucou! Les chasseurs d'Oni sont censés travailler par deux. C'est la règle. On ne vous l'a pas dit à l'hôtel de ville? Si, mais moi je suis là en qualité d'observateur. Ah! Mais alors les fameux nouveaux dont on parle, ceux qui se sont inscrits comme chasseurs d'Oni, c'est vous? Les nouveaux? Attends que je t'attrape! Allons, Kurogane, calme-toi. Que je me calme après le sale coup que tu m'as fait. Kurogane, elle a bien énervé. Pourquoi est-il en colère? Oh, c'est à cause de son nom. Comment cela? Le nom qu'il a dans ce monde. C'est Fai qui s'est chargé de remplir les formulaires à l'hôtel de ville. Hein? Mais Fai, qu'est-ce que tu fais? L'employé qui était au guichet m'a dit qu'on pouvait s'inscrire sous des pseudonymes. Et comme je ne savais pas trop lequel choisir... Je suis parti de ses dessins humoristiques. Là, c'est Kurogane, que j'ai surnommé Gros Toutou. Pas mal, non? Quant à Shaolan, ici, il devra désormais se faire appeler Petit Cabot. Cet autre dessin nous représente moi et Sakura. Je nous ai baptisés Gros Matou et Petit Chaton. C'est pourquoi j'ai peint un chat sur l'enseigne de notre salon de thé. Ah, d'accord! J'avais pas compris ce que c'était! Je vais te passer l'envie de jouer les artistes peintres. Écoute-moi bien, t'as intérêt à retourner là-bas changer mon nom. Sinon, je vais te massacrer. Eh bien, c'est qu'il est enragé, ce gros toutou. Rebonsoir. Oh, quel bel établissement.
Vous et vos amis, vous habitez là, petit cabot? Vous en avez de la chance. Oh, oui, c'est vrai. On a de la chance. Mais d'où est-ce que vient cette délicieuse odeur? Oh, je pense que vous faites allusion à mon gâteau au chocolat. Justement, on ouvre demain et je cherche des goûteurs. Est-ce que vous voudriez bien me dire ce que vous en pensez? Oui, avec plaisir. On a bien fait de se rencontrer, n'est-ce pas, gros toutou? Combien de fois il faut que je leur dise? Je m'appelle pas comme ça! C'est excellent! Je suis ravie que ça vous plaise. J'ai suivi les conseils de Mokona et j'ai rajouté de la crème fouettée sur le côté. C'est la crème qui fait toute la différence! Moi, j'en raffole! Yuzurika, tu me feras penser à recommander ce salon de thé aux autres chasseurs d'Oni. Monsieur est un vrai cordon bleu. Et voilà pour vous. Merci, mademoiselle. Vous venez tout juste d'arriver dans le pays, c'est ça? Oui, nous sommes là depuis hier. Et quel accueil, hein, les amis? À peine étions-nous arrivés que nous nous sommes fait attaquer par un Oni. Les Oni sont classés par rang, selon qu'ils sont plus ou moins forts. Les Oni les plus forts appartiennent au rang I. Ensuite, cela décroît avec les rangs R-O, H-A, N-I, H-O, H-E. Et pour finir, le rang le plus faible, T-O. Ensuite, chaque rang est divisé en 5 niveaux. Ils sont représentés par des chiffres de 1 à 5. Le plus fort correspond à 1. Par exemple, dans le rang HO, HO5 est le plus faible et HO1 le plus fort. Donc, si je comprends bien, les Oni les plus forts appartiennent au rang I1. C'est ça. Tous les jours, les chasseurs se démènent pour vaincre ces Oni de rang I1. C'est ce qu'il y a de plus gratifiant. Ce qui veut dire que l'Oni de rang HA5 qui est venu chez nous l'autre jour a une force légèrement supérieure à la moyenne. C'est étrange ce que vous dites, car seuls les Oni de rang supérieur à héros peuvent entrer chez les gens. On dirait qu'il y a des Oni tout près. Merci pour le thé. Combien je vous dois? Rien, aujourd'hui c'est la maison qui offre, en guise de remerciement pour toutes ces informations. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à repasser. Entendu. Mettez-nous du gâteau de côté. Ça marche. Au revoir, mademoiselle. C'est ça. Au revoir. Et voilà, on a deux futurs clients réguliers. Mokona, est-ce que tu détectes la plume? Oui, je sens ses ondes. Seulement, le signal est trop faible pour que je sache sa position exacte. Je suis désolée. Inutile de t'excuser, tu n'y es pour rien. Et puis, la chasse à l'Oni semble être un bon moyen pour recueillir des informations. Au fur et à mesure des combats, je suis sûr que nous allons découvrir des choses qui nous seront utiles. Bon, d'accord. C'est gentil de t'inquiéter, mais ça va aller. Je te le promets. Très bien. De mon côté, je vais me concentrer sur les ondes émises par la plume, alors. Oh. Princesse Sakura. Tenez, je vous ai apporté ceci. C'est Fai qui m'a appris à le préparer. Il dit que ça s'appelle du chocolat chaud. C'est très gentil, je vous remercie. Je vous dois des excuses. Hein? Princesse? L'autre fois, je n'ai pas été très correcte avec vous. L'autre fois? Comment ça? Je sais que ça vous paraît étrange. C'est parce que vous avez perdu la mémoire. Vos souvenirs se sont dispersés et je voyage d'un monde à l'autre afin de les récupérer. Ça alors? Et vous êtes seul? À vous aider? Non, il y a d'autres personnes qui nous accompagnent. Et nous voyageons tous ensemble? C'est ça. Bien que je ne vous connaisse pas, j'ai eu tort de m'exprimer ainsi. C'est évident que vous ne m'êtes pas inconnu. Vous risquez votre vie pour moi. Vous avez même déjà été blessé. Et ce n'est pas tout. Vous passez des nuits blanches à vous creuser la tête pour trouver mes plumes. Je regrette d'avoir dit ça. Veuillez accepter mes excuses. Quand nous sommes-nous rencontrés? Était-ce quand nous étions petits? C'est ça, n'est-ce pas? Nous nous connaissons depuis l'enfance. Je comprends tout maintenant. Vous êtes quelqu'un de très important pour moi.
princesse. J'ai perdu le cours de mes pensées. De quoi est-ce que nous parlions déjà? Ah oui, ça y est, je me souviens maintenant. Je voulais vous présenter des excuses. Ça veut dire quoi, cet éclair? Que le sort jeté par la sorcière des dimensions est irréversible. Même si l'on raconte à Sakura ce qu'était sa vie avant qu'elle ne perde la mémoire, ces informations seront aussitôt effacées de son cerveau sans même qu'elle ne s'en rende compte. Elle aura beau se concentrer, rien n'y fera, elle oubliera tout. Tout ce qui la rattache à lui. Shaolan devait s'en douter. Que ça allait arriver un jour ou l'autre. La mémoire de Sakura commence à revenir au fur et à mesure qu'elle récupère ses plumes. Même si elle interroge Shaolan sur ce qu'était leur relation avant, ça ne servira à rien. Il ne récupérera jamais ce qu'il a donné à la sorcière. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu à ses questions tout à l'heure. Je comprends. Il ne souhaitait pas lui faire part des liens qui les unissaient avant. En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'il mènera sa quête jusqu'au bout. Ouais. Shaolan. Oui? Quand le jour viendra où j'aurai récupéré toutes mes plumes, je me rappellerai alors qui vous êtes, n'est-ce pas? Même si vous devez ne jamais vous souvenir de moi, je vous fais la promesse de retrouver toutes vos plumes. Et je me suis réveillée en retard. Ne vous en faites pas pour ça. Je n'ai même pas encore décidé à quelle heure nous allions ouvrir. Quoi qu'il en soit, je ferai en sorte de me lever plus tôt demain. Mais où sont passés les autres? Shaolan et Kurogane sont partis à l'hôtel de ville. Ils vont toucher leur prime pour leur chasse de cette nuit. Avec tous les oni qu'il y avait ici, ça doit faire pas mal d'argent. Ils ont chassé cette nuit? C'est bizarre. Je ne me souviens pas avoir vu d'oni. Ça ne m'étonne pas, vous dormiez à point fermé. Oh? Quelqu'un a été blessé? Oui, Shaolan, mais ce n'était qu'une égratignure. Vous êtes inquiète? Oui. Chaque jour, Shaolan se démène pour retrouver mes plumes, parfois même au péril de sa vie. Mais moi, je ne peux rien faire pour l'aider. En plus de ça, quand je lui parle, je sens comme une immense solitude en lui. C'est n'importe quoi, ce que vous me racontez. Vous dites que vous ne pouvez rien faire pour aider Shaolan? C'est complètement faux. Votre sourire est la meilleure forme d'encouragement que vous pouvez lui donner. Et voilà, votre petit déjeuner est servi. Vous devez avoir faim. Bon appétit. Merci, Fai, ça me touche beaucoup. Mais c'est excellent. Je suis ravi de l'entendre. Vous êtes un très bon cuisinier, Fai. Et ça ne s'arrête pas là. Vous êtes aussi un excellent dessinateur. Tout magicien qui se respecte doit savoir dessiner. Idem pour la cuisine. C'est exactement la même chose que faire des potions magiques. Tout comme vous, Shaolan et Mokona apprécient mes petits plats. Le problème, c'est avec Gros Toutou. Tu as attrapé un rhume? Je crois pas. Je sais pourquoi tu éternues alors. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui parle de toi. C'est sûrement Fai qui est en train de baver sur moi. Je le retiens. Comment osent-ils nous servir des plats aussi salés au petit déjeuner? Personnellement, j'ai trouvé ça délicieux. Moi aussi, j'adore sa cuisine. Bonjour messieurs et bravo. Il paraît que vous avez fait du bon travail cette nuit. Vous voulez bien me donner votre carte? Bien sûr. Tenez. Merci. Comme c'est votre premier encaissement, je dois faire l'opération ici. Mais puisque vous êtes maintenant inscrit au registre des chasseurs, désormais l'argent de vos primes sera automatiquement versé sur cette carte. C'est tout nouveau comme système. Grâce à ça, vous n'aurez pas à venir ici tous les jours. Oh. Vous comprenez? Oui, c'est compris.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir. Bonne journée, messieurs, et bonne chasse. Mademoiselle ? Oui ? J'ai justement une question à vous poser. Allez-y, je vous écoute. Est-ce que vous savez s'il s'est produit des phénomènes étranges ici ? Je veux dire à Otto. Que ce soit récemment ou à une époque plus ancienne. Même si ça n'est qu'une légende. Pour des questions de cet ordre, vous devez aller vous adresser à l'informateur. Comment ça, l'informateur ? Je croyais que c'était le bureau des informations ici. Je vous l'ai dit, pour des questions de cet ordre, vous devez aller c'est vous... C'est bon, c'est bon, on a compris ! Tu le crois, ça ? Maintenant, on doit trouver un soi-disant informateur. Ça ne devrait pas poser de problème avec la carte qu'elle nous a donnée. Oui, ben t'es d'accord qu'elle aurait pu nous expliquer tout ça la première fois qu'on était venu la voir. C'est vraiment se moquer du monde. Apparemment, c'est là. Hmm ? Ça sent mauvais, cette histoire. Ah, attends-toi, courante de nez ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? T'as très bien entendu, gros toutou ! Et fais attention à toi, je suis pas d'humeur ! Qui êtes-vous ? Je suis l'informateur. Je m'appelle Eri. Commencez par vous présenter. Quand vous êtes arrivé ici, vous avez bien choisi un nom. Si elle croit que je vais lui dire. Allez, répondez-moi. Lui, c'est Gros Toutou. Et moi, c'est Petit Cabot. Ah, alors c'est vous les nouveaux. Oui, nous venons d'arriver, mais comment vous le savez ? Mon métier, c'est d'être au courant de tout ce qui se passe ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Est-ce que vous avez remarqué des phénomènes étranges dernièrement ? Oh, vous savez, à Otto, l'étrange fait partie du quotidien. Quelque chose de vraiment inhabituel, je veux dire. Attendez. Oui, l'attitude des Oni est bizarre, en effet. Ils ont tendance à se manifester là où on ne les attend pas. Et leurs apparitions en journée sont de plus en plus fréquentes. Oh, et aussi... Il semblerait qu'il y en ait un nouveau genre. Un nouveau genre ? Malheureusement, je ne sais pas trop à quoi il ressemble. Il n'a été vu que par un seul témoin. Et jusqu'à présent, aucun chasseur ne l'a rencontré. Tout ce que je sais, c'est que c'est un Oni d'une très grande beauté. Mais celui qui vous en parlera le mieux, c'est ce témoin. Voulez-vous que je vous dise où vous pourrez le trouver ? Bien sûr. Allez dans ce cabaret et dites que vous venez de la part d'Eri, l'informateur. Ensuite, on vous présentera ce fameux témoin oculaire. Tu peux m'expliquer pourquoi je dois y aller avec toi et pas avec Shaolan ? Je voulais seulement qu'il reçoive quelques encouragements. Quoi ? Non, rien, je me comprends. Parfois, j'ai du mal à te suivre. J'ai pas l'air trop ridicule ? Oh. Il n'est pas droit. Merci, je n'ai pas l'habitude. Oh. Shaolan, ouvrez-vous à moi. Pardon ? Oh. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Enfin bref, tâchons de bien travailler en attendant que Fai revienne. Entendu. Bien, merci. Dis-moi, c'est la nuit chez vous ? Oui ! Au fait, je voulais te remercier pour les fondants au chocolat que tu nous as donnés l'autre fois. On les a mangés tous ensemble et ils étaient super bons. Tu m'en vois ravie. Kurogane ne voulait pas en prendre. Il disait que tu ne nous donnerais jamais rien sans attendre autre chose en contrepartie. Alors moi, je lui en ai mis un morceau de force dans la bouche. Quoi qu'il en soit, c'est tant pis pour lui. Il ne fallait pas qu'il en mange, même si ce n'était qu'un morceau. Et maintenant, il m'est redevable. Par principe, je prends le double de ce que j'ai donné. Et quand on tarde à honorer sa dette, c'est le triple. Ça, ça veut dire que quelqu'un parle de toi. T'as fini de faire l'imbécile, on dirait Mokona. Au fait, t'es sûr qu'on est dans la bonne rue ? Là, regarde ! Quoi ? Je t'ai bien eu, hein ?
Très bien, petit rigolo. Tu l'auras cherché. Tu vas finir en rondelle. Bien essayé, mais cette fois, ça ne marchera pas, ton truc. Tu vois, j'essayais pas de te faire marcher. C'est bizarre, en temps normal, les Oni n'apparaissent jamais dans ce quartier. Ça correspond à ce que nous disait l'informateur. Bande de lâches. Puisque vous êtes trop faibles, vous nous attaquez à plusieurs. Comment allez-vous, petit cabot? Quelle belle journée, n'est-ce pas? En effet, princesse. Je veux dire, petit chaton. Je n'arrive pas à me faire à ces nouveaux noms. Ils sont trop bizarres. Oui, mais ici, ce sont nos noms, alors nous devrons faire avec. Il faut éviter de se faire remarquer. Shaolin! Sakura! Vous pouvez venir voir une seconde? Tada! C'est notre enseigne? Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Ça se prononce Cat Size! Quand j'ai raconté à Yuko que nous allions ouvrir un salon de thé, elle a choisi le nom pour nous! Vous ne le trouvez pas original? Original? Oui, c'est le mot. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue au Cat Size. En direct, t'as fait ça toute ta vie! Merci, Mokona. Vous dites que vous ne pouvez rien faire pour aider Shaolin? C'est complètement faux. Votre sourire est la meilleure forme d'encouragement que vous pouvez lui donner. Fai avait raison. Quand je souris, Shaolin sourit aussi. Et quand je vois Shaolin sourire, cela me rend heureuse, tout simplement. Dorénavant, j'espère que jamais plus nous ne cesserons de nous échanger des sourires. Je sens que les difficultés vont commencer. Regarde-les. On fait quoi, gros toutou? Combien de fois faudra-t-il que je te répète de pas m'appeler comme ça? この街が